L'artiste d'aujourd'hui n'en souffrira pas, d'autant qu'il a beaucoup souffert, et ceci n'est pas une plaisanterie facile, car on va entendre un récital donné au Théâtre des Champs-Elysées le 11 mai dernier par le pianiste Bruno Leonardo Gelber. Bruno Leonardo Gelber est un pianiste, on pourrait dire, pas comme les autres. C'est un personnage assez étonnant. Sa carrière, sa vie. Bien entendu, je développerai tout cela tout à l'heure. Et dans le temps qui nous restera, on essaiera, avec des exemples divers, de faire un peu un portrait, comme on a fait pour Bernard Affink la semaine dernière, un portrait d'un homme qui est un très grand et qui, à la fois, n'est pas médiatisé comme d'autres. Bruno Leonardo Gelber est argentin, en fait, et il est d'une famille de musiciens. Je crois que son père jouait du violon au Théâtre aux Colonnes et que sa mère était professeure de piano. Donc tout de suite, on le met au piano. Je crois qu'il se produit pour la première fois. Il doit avoir à peine 5 ans. Il est enseigné par un très célèbre professeur argentin qui s'appelait Vincenzo Scaramuzza et qui, je crois, a aussi enseigné Martha Argerich. Et puis, le drame arrive, c'est-à-dire que 2 ans plus tard, il a la polio, il a une attaque de poliomyélite. Et à ce moment-là, va se révéler chez ce petit garçon une volonté absolument de faire, une volonté ardente de continuer à travailler le piano. Et on enlève, si vous voulez, la lyre qu'il y a au milieu du piano qui soutient les pédales, et ce qui permet à son lit ou à sa chaise roulante de glisser sous le piano, et il continue ainsi à travailler le piano, et il va devenir un parfait virtuose. À 15 ans, en Argentine, il joue le concerto de Schumann sous la direction de Laurine Mazel. Ensuite, on lui donne une bourse en France, il vient s'installer à Paris, il est très ami avec la France, il y vient souvent, il a un appartement d'ailleurs près de la rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas la peine d'énumérer évidemment tous les chefs avec qui il a travaillé et tous les récitals qu'il a donnés. Il en est à pas plusieurs milliers, je crois qu'il a donné 4800 concerts. Et il est considéré par tout le milieu musical comme un des grands pianistes d'aujourd'hui. Seulement, le style de Gelber est quand même assez particulier. Et ce sera intéressant, je pense, tout au long de ce récital, d'essayer de bien l'écouter, d'essayer aussi de voir en quoi il est différent et en quoi souvent d'ailleurs il nous révèle des œuvres d'une manière qu'on n'avait jamais l'habitude d'entendre. On va commencer par 3 sonates en fait de Domenico Scarlatti, sinon qu'il n'y a pas à en dire grand-chose, puisque ce sont des œuvres écrites pour le clavecin, mais que les pianistes bien sûr se sont appropriées. Et donc je vous propose tout de suite d'entendre ces 3 sonates. Il y a la majeure Kirkpatrick 322 ou Longo 483, vous savez qu'il y a deux répertoires de Scarlatti, on peut choisir Cowell, lutte majeure Kirkpatrick 406 et lutte mineure Kirkpatrick 11. 3 sonates de Scarlatti qui ouvraient donc le récital de Bruno Leonardo Gelber au Théâtre des Champs-Elysées le vendredi 11 mai. Thank you.
Trois sonates de Domenico Scarlatti par Bruno Leonardo Gelber. Vous avez pu remarquer dans ces sonates le toucher admirable de Gelber. C'est un pianiste qui va jusqu'au fond, on peut dire, des notes avec une très grande force. Et cette puissance presque incandescente, parfois même presque violente, s'accompagne aussi d'un esprit poétique tout à fait fantasque. Et le rapport des deux, qui n'est pas sans rappeler, mais de manière très différente, peut-être Richter, le rapport des deux est assez surprenant. Vous allez pouvoir encore mieux en juger dans la pièce qui a suivi, donc, qui est la 15e sonate de Beethoven, celle qu'on appelle la Pastorale. C'est l'opus 28, composé en 1801. On ne sait pas si c'est Beethoven lui-même qui lui a donné ce titre de Pastorale. En tout cas, il n'y a évidemment aucune indication, comme dans la symphonie de je ne sais pas quoi, Joyeuse réunion de paysans ou Scène au bord du ruisseau. Mais elle est pastorale parce que c'est une sonate qui est infiniment douce, est infiniment tendre. Il y a un mouvement lent qui est très joli et que, paraît-il, Beethoven aimait beaucoup se jouer à lui-même. Et le rondo final, alors lui, est carrément rustique. Il y a une sorte de bourdon, comme ça, de musette qu'on peut entendre. Vous pouvez peut-être imaginer un orage. J'espère pas trop fort, mais en tout cas, c'est une œuvre où on va pouvoir entendre justement cette puissance de Bruno Leonardo Gelber, qui est comme ça un être très, très doux, très raffiné, tout en rondeur, d'une délicatesse presque féminine. Et quand il est au piano, c'est une incandescence, vraiment. Et là, il est vraiment capable de révéler une œuvre en allant plus loin que les autres dans la douceur, aussi bien que dans la violence, car dans la violence, il joue peut-être comme si d'une certaine façon il prenait sa revanche sur la vie, sur une maladie qu'il a handicapé longuement quand il était enfant. Et les violences de Gelber sont vraiment fulgurantes. On peut le comparer, si vous voulez, par exemple, à certains pianistes, comme des pianistes russes, comme Luganski, qui nous émeuvent par le raffinement des couleurs, des plans, des timbres. Mais c'est un peu comme certains vins italiens, par exemple, comme certains Chianti, qui ont comme ça un arôme extraordinaire. Ordinaire, un nez formidable, une bouche pleine de fleurs et pleine de raffinement, mais qui manque de corps. Et avec Gelber, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, il y a du corps dans ce piano, il y a une chair incroyable, il y a une puissance, il est vraiment là, et ce qui n'empêche pas, effectivement, tout le reste. Je vous propose d'entendre donc cette 15e sonate en ré majeur de Beethoven, Pastorale, telle que Bruno Leonardo Gelber l'a jouée au Théâtre des Champs-Elysées le 11 mai. Thank you.
15e sonate en ré majeur, opus 28 pastorale de Beethoven, jouée au Théâtre des Champs-Elysées par Bruno Leonardo Gelber. Alors, tout à l'heure, je parlais de corps comme celui d'un vin. Je disais qu'il y avait vraiment une présence. Quelle présence dans cette sonate de Beethoven et quel investissement personnel. Gelber joue chaque fois comme si vraiment sa vie en dépendait. Et c'est cela qui est bouleversant, parce qu'il nous implique en fait dans ce défi, dans ce processus, dans ce risque. Et d'ailleurs, il fait peur à voir, parce que une des grandes qualités, vous l'aurez remarqué, du jeu de Gelber, ce qui fait que c'est si prenant, c'est l'égalité parfaite des notes, même dans les traits les plus rapides. Alors ça, c'est sensationnel, et c'est obtenu, je ne sais pas si c'est l'école argentine qui veut ça, ou si c'est parce qu'il a travaillé aussi avec Marguerite Long un petit peu quand il est arrivé à Paris. C'est que Gelber, finalement, quand on le voit jouer, j'ai l'impression qu'il se sert assez peu de ses poignets, c'est-à-dire qu'il se sert du bras tout entier pour faire les notes, ce qui donne d'ailleurs beaucoup plus de puissance, ce qui permet beaucoup plus d'enfoncement et qui est très spectaculaire quand, par exemple, on utilise à la fois le pouce et le petit doigt pour faire une série de notes, et on peut facilement taper à côté si on n'utilise pas le poignet. Le poignet est beaucoup plus souple, vise mieux. Si on utilise uniquement le bras comme une sorte de battoir, comme ça, eh bien il le fait, et à la fois ça donne ce côté, cette espèce d'intensité profonde quand on fait des octaves, par exemple, qu'on ne peut pas obtenir autrement avec un jeu du poignet. C'est un détail technique que j'explique certainement très mal, car je ne suis pas un technicien du piano, mais qu'on remarque toujours quand on voit jouer Gelber, et on se dit toujours, il va taper à côté, c'est pas possible. Et en fait, bien sûr qu'il tape très rarement à côté. Et même quand il tape à côté, ça ne dérange personne. Tellement l'intensité, la puissance, l'investissement de cet artiste sont vraiment immenses. Et encore une fois, comme il ne manque ni de poésie, ni de lyrisme, quel plaisir que de l'entendre maintenant jouer donc un des chefs-d'œuvre aussi de Brahms. Chef-d'œuvre de jeunesse, c'est la troisième sonate. Brahms, curieusement, n'a pas continué ensuite, que vous le savez, à écrire des sonates pour le piano. Cette troisième sonate est longue, c'est un monument, elle dure plus de 35 minutes à peu près. Et Brahms l'a écrite au moment même où Schumann, quasiment, écrivait dans sa fameuse Neue Zeitschrift für Musik, l'article Neue Bahn, chemin nouveau, où il consacrait Brahms comme le génie destiné à succéder, en quelque sorte, à prendre la première place dans la musique allemande, ce qui était assez écrasant quand même pour le jeune Brahms, mais ce qui ne l'empêchait pas d'écrire des sonates d'une puissance incroyable et où déjà se trouve tout son génie. Sonate quand même marquée toujours quand même par un certain classicisme, enfin un goût d'une forme rigoureuse, une forme un peu à l'ancienne qui fera classer Brahms parmi, disons, les traditionalistes jusqu'au moment où Schoenberg lui donnera la médaille de la modernité. Mais la question, c'est que Brahms, effectivement, n'aurait pas pu imaginer une sonate comme celle de Liszt, par exemple. Il y a une anecdote où on dit que Brahms s'est endormi en écoutant la sonate de Liszt. En effet, la manière dont était construite cette sonate de Liszt, qui nous paraît aujourd'hui extraordinaire, à l'époque, Brahms devait trouver cela un peu comme une improvisation, en quelque sorte. Lui construit ses sonates avec des mouvements écrits de manière très classique, un allegro, un andante, un scherzo, un petit intermezzo, ça, il sera spécialiste, il en mettra dans ses symphonies aussi, et puis un magnifique final. Voici donc Bruno Leonardo Gelber dans la troisième sonate en fa mineur opus 5 de Johannes Brahms. Thank you.
Thank you.
Bruno Leonardo Gelber terminait son récital du 11 mai au Théâtre des Champs-Elysées avec la troisième sonate en fa mineur, opus 5 de Johannes Brahms. Ce concert a été enregistré grâce à la prise de son de Bernard Legac et de Fong Mai Tran, chargé de réalisation Thierry Guffroy. Eh bien, malgré les demandes du public, apparemment ce concert ne comporte pas de bis. Il faut dire que la décharge d'énergie de Gelber dans cette sonate de Brahms est proprement prodigieuse.